Maintenant, sur le plan de la santé, la santé humaine, les inconvénients sont multiples. Les cancers, les tumeurs, les lésions au niveau des reins, les lésions au niveau du foie. Les variétés hybrides sont complètement différentes de ce qu'on appelle les OGM. Donc, en réalité, on a trois types. On a les variétés locales, on a les variétés hybrides ou alors améliorées, et puis on a les OGM. Et la différence entre les trois, c'est quoi? C'est la variété locale, n'est-ce pas? La variété locale, c'est la plante dans son état naturel. Ça veut dire que c'est la plante telle que le créateur l'a faite. Elle n'a pas été touchée par l'homme. Maintenant, les variétés hybrides ou alors améliorées et les OGM ont en commun que, n'est-ce pas, ils ont été modifiés par l'homme, ils ont été touchés par l'homme, n'est-ce pas? Ils ont subi la main de l'homme. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux se situe au niveau du mode d'obtention. Vous voyez, les variétés hybrides s'obtiennent par des croisements, notamment des croisements sexués. Vous voyez, ça veut dire que d'un côté, je vais prendre des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça veut dire que d'un côté, par exemple, on a une tomate X qui produit beaucoup de fruits, mais qui est très sujette, n'est-ce pas, au rabougrissement bactérien. Et d'un autre côté, on a une plante, une tomate Y, qui elle ne produit pas beaucoup de fruits, mais est résistante au rabougrissement bactérien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser la variété X et la variété Y. Vous voyez? Et à la fin, on obtiendra une variété XY qui produit beaucoup de fruits et qui est résistante, n'est-ce pas, au rabougrissement bactérien. Rabougrissement bactérien, c'est une maladie, n'est-ce pas, qui décime, n'est-ce pas, complètement la productivité chez la tomate et chez plusieurs autres plantes. Donc, vous voyez qu'on obtient une variété qui est résistante, qui est non seulement résistante, mais qui produit beaucoup de fruits. Et cette obtention-là se fait par des croisements sexués naturels. Maintenant, par la suite, on pourra encore croiser cette variété XY-là avec une variété, par exemple, Z, pour l'amélioration de la taille des fruits. Par exemple, si la variété XY produit des petits fruits, on peut la croiser avec une variété Z encore qui produit, n'est-ce pas, des gros fruits. Et là, on obtient une variété XYZ qui, n'est-ce pas, produit des gros fruits, ça produit beaucoup et c'est résistant au rabougrissement bactérien. C'est ça qu'on va appeler variété hybride ou alors variété améliorée. Par contre, les OGM ne s'obtiennent pas par croisement, mais plutôt en laboratoire à travers le processus qu'on appelle la transgénèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une variété de tomate X, par exemple, qui est très sujette au rabougrissement bactérien. Ce qu'on va donc faire, c'est que on va chercher un organisme ou alors un être vivant, on va dire ça comme ça, un être vivant. Donc, on va chercher un organisme qui peut combattre cela. Et on va aller chercher cet organisme-là, isoler un ou plusieurs gènes qu'on va introduire dans la tomate X. Vous voyez? Et là, ça va faire en sorte que la tomate X devient elle aussi résistante, n'est-ce pas, au rabougrissement bactérien. Donc, par le processus de la transgénèse, on va introduire ces un ou alors ces plusieurs gènes dans la tomate X. Un autre cas, par exemple, le maïs, comme le maïs que vous voyez là. Vous voyez le maïs là? Ça a plusieurs ravageurs. Alors, un maïs OGM, c'est un maïs qui va s'obtenir comment? On va chercher, je vais prendre le cas du criquet puant. Ou alors le criquet qui s'appelle, son nom scientifique, c'est, je pense, c'est Zonocerus variegatus, un truc comme ça. Donc, pour le criquet puant qui décime, qui peut vous décimer toute une plantation de maïs, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, n'est-ce pas, une molécule qui permet d'anéantir le criquet puant. Et ou du moins un organisme, disons, on va chercher un être vivant qui produit une molécule. Cet être vivant peut être d'origine animale ou végétale. Vous voyez, donc on va aller dans cet être vivant là qui a la capacité de décimer le criquet puant et on va prélever un ou plusieurs gènes qu'on va introduire dans le maïs. Ça veut dire que le maïs devient insecticide. Vous voyez, donc la plante est là, elle produit elle-même son insecticide en fait. Vous voyez, et ça fait donc que dès qu'un insecte passe là, dès qu'il commence à croquer, tchac, il tombe, il meurt. Donc, voilà comment s'obtiennent les OGM. Bien, maintenant, contrairement aux OGM, les variétés améliorées ou alors les variétés hybrides ne posent aucun inconvénient pour la santé humaine. Par contre, les OGM ont des inconvénients sur l'environnement, ont des inconvénients sur la santé humaine. Vous vous doutez bien que des trucs, quand on importe des gènes du règne animal, on amène chez les végétaux, on prend des trucs chez les végétaux, on pas introduit chez les animaux, vous doutez bien qu'au final, ça a des conséquences. Donc, sur le plan environnemental, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence pour les OGM? Je vais vous prendre encore un exemple. Imaginez donc une compagnie qui veut mettre sur pied une plantation de 100 000 hectares de blé. Vous voyez, 100 000 hectares de blé, c'est beaucoup. Et
pour le désherbage, c'est pas facile. Même pour fabriquer une machine qui va désherber 100 000 hectares de blé, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que les gars vont faire? Ce que les gars vont faire, c'est qu'ils vont développer une variété de blé qui est résistante aux herbicides. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils vont, ils vont prendre des molécules, ci et là, et introduire dans le blé. Et ce blé-là va devenir résistant aux herbicides. Ça veut donc dire que quand ils vont lancer leur parcelle de 100 000 hectares de blé, lorsque le blé sera à une certaine hauteur et qu'il va falloir désherber, ils vont seulement envoyer les machines dans le champ, pomper l'herbicide, les herbes vont mourir, mais le blé va résister. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que cela va créer à la longue? À la longue, ce blé-là va contaminer les plantes de la même famille qu'elles, qui sont dans la nature. Ça veut dire que et les plantes de la même famille que le blé, ce sont des adventices ou alors des mauvaises herbes. Ça veut donc dire qu'avec le temps, on aura des herbes qui vont devenir résistantes aux herbicides. Ça veut dire que vous aurez une broussaille là, vous voulez désherber avec les herbicides, vous pulvérisez, mais aucune herbe ne meurt. Vous voyez? Dans le cadre, si on veut revenir à l'exemple qu'on a pris précédemment avec le criquet puant, qu'est-ce qui va se passer? Le maïs va contaminer cette molécule-là, cette molécule insecticide-là, aux plantes de la même famille qu'elle. Ça veut dire qu'avec le temps, on risquerait d'assister à une disparition complète, n'est-ce pas, de cette espèce-là, qu'est le criquet puant. Et cela aura un impact forcément sur la chaîne alimentaire et sur l'écosystème. Maintenant, sur le plan de la santé humaine, les inconvénients sont multiples. Les cancers, les tumeurs, les lésions au niveau des reins, les lésions au niveau du foie, et j'en passe, c'est tellement... C'est donc pourquoi je vous conseille toujours, dans chacune de mes vidéos, de toujours consommer de l'eau alcaline. Vous savez, lorsque vous consommez ces jours GM-là, une fois dans votre organisme, ils vont brutalement abaisser le pH de votre corps. Et c'est cette acidité-là qui va attaquer vos cellules, les faire vieillir et les détruire complètement. Or, en buvant régulièrement de l'eau alcaline ou encore une eau qui a un pH supérieur à 7, vous allez permettre, n'est-ce pas, une régulation, n'est-ce pas, du pH de votre organisme dans la fourchette adéquate. Vous voyez, ça veut dire que vous allez consommer des trucs qui vont abaisser votre pH, mais vous allez boire de l'eau alcaline qui va faire remonter votre pH et ça va faire qu'en permanence, vous serez en équilibre. Vous voyez, parce que ça, ce n'est que de l'eau. Hein. Il n'y a rien dedans, vous voyez. Ce n'est que de l'eau, une eau qui a un pH supérieur à 7 et qui est chargée en ions négatifs. Oui, j'avais le rubella alcaline. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal de foie, j'ai mal au foie, j'ai la tension, j'ai le diabète. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Donc, vraiment, merci. Vous savez, nous vivons dans un continent où on importe quasiment tout, vous voyez, et on importe même sans contrôle qualité véritable. On importe seulement maïs, haricots, tout, vous voyez, et on ne connaît pas vraiment comment ces trucs-là ont été produits. Ce sont même des OGM, on ne le connaît pas. Et avec les industriels d'aujourd'hui qui sont des gros menteurs, hein? Vous allez voir quelqu'un fabrique un spaghetti, il va écrire même dessus « fait à base de blé bio ». Et pourtant, c'est avec le blé OGM qu'il a fabriqué ça. Mais il finit son produit là, il écrit dessus, fait à base de blé bio. Mais vous allez faire comment savoir qu'on n'a pas fait ça avec du blé OGM? Vous ne pouvez pas savoir, mais vous mangez ça tous les jours. Hein? Le spaghetti sauté, spaghetti à la viande, spaghetti, vous mangez tous les jours. Prenons même le cas du lait. Hein? Vous voyez, voir, on écrit lait concentré, sucré et tout le tralala. Mais quand vous faites des recherches, vous vous rendez compte que dans ces choses-là, il n'y a aucune trace de lait. C'est juste de l'amidon de maïs auquel on a associé des arômes de lait. Les arômes de lait. Et vous consommez cela, vous servez cela à vos enfants. Vous êtes fiers. Vous dites que vous consommez du lait. Prenons même encore le cas des brasseries. Hein? Vous entendez jus pamplemousse, jus ananas, jus grenadine. Mais est-ce que vous avez vu un camion de pamplemousse garé devant ces industries-là? Ou alors ancré dans ces industries-là? Est-ce que vous avez vu un camion de grenade entrer dans ces industries-là, un camion d'ananas? Jamais. Nous tous savons que c'est du colorant avec des arômes de ces fruits-là. Mais après avoir fabriqué leurs produits, ils vont dire jus pamplemousse, jus ananas, jus grenadine. Vous voyez? Nous sommes dans un monde capitaliste. Vous voyez? Et certaines personnes sont prêtes à faire le maximum de profit, quitte à mettre la vie des autres en danger. Peu importe si vous mourrez, tant que lui se fait de l'argent, du blé, pff,
s'en fout de vous. Une tumeur énorme en moins d'un an. Les résultats de cette étude sur les rats sont bien au-delà de ce que les chercheurs avaient imaginé. Ça nous a impressionné parce qu'on a eu des tumeurs de plus de 25% du poids du corps. Hein, et donc c'est colossal, 25% du poids du corps. Pendant 2 ans, 200 rats, mâles et femelles, ont été nourris avec un maïs OGM, le NK603. Plusieurs groupes ont été mis en place. Un groupe témoin, nourri d'un maïs classique, et 3 autres groupes. Un nourri avec du maïs OGM, le deuxième avec du maïs OGM, cultivé comme souvent avec de l'herbicide, ici du Roundup. Et enfin, dernier groupe, avec du maïs non OGM, mais avec des traces de Roundup dans l'eau. Ces 3 groupes, sans exception, vont être frappés de tumeurs et de pathologies lourdes. 93% des tumeurs sont mammaires chez les femelles qui se développent surtout au cours de la deuxième année de vie des rats. Vous savez qu'un rat vit 2 ans, donc la deuxième année c'est disons à partir de 35-40 ans pour un humain. Et ensuite on observe des pathologies hépatiques et rénales qui les empêchent d'avoir une vie normale. Des maladies qui apparaissent très vite. Les tests réglementaires sont sur 3 mois. Et les vraiment gros troubles de pathologie, en particulier les morts de rats par tumeur, arrivent au 4e mois. Ça veut dire que les tests réglementaires de 3 mois sont inefficaces pour marquer l'impact sur la santé d'un traitement OGM ou d'une alimentation OGM au long cours dans la vie. C'est le CRIGEN, un comité indépendant sur le génie génétique, qui est à l'origine de l'étude. Il a trouvé les financements auprès de fondations et même de la grande distribution. Sa présidente d'honneur, Corinne Lepage, ancienne ministre, se bat depuis plusieurs années pour une grande remise en question des OGM. Il ne s'agit pas de la culture, il s'agit de la consommation, de ce que nous mangeons par le biais de la viande, du lait, des plats cuisinés dans lesquels il y a des ingrédients OGM. Et le temps est venu de faire ce que nous demandons depuis des années, c'est-à-dire des vraies études d'impact sur la santé humaine. Cette étude, menée dans le plus grand secret, a surpris. En premier lieu, la multinationale Monsanto, qui produit ce maïs et le Roundup, elle n'a pas souhaité nous répondre. Les professionnels français des semences ne cachent pas, eux, leurs doutes. On est extrêmement surpris des résultats, parce qu'on n'a jamais connu de résultats de ce type, donc on souhaite en savoir plus. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a saisi cet après-midi l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il demande que soient revus tous les protocoles d'homologation en France, mais aussi en Europe.